impressionante. C'est pour nous une opportunité, au nom de membres de la plénière de la CENI, ainsi que du bureau, de remercier Son Excellence Monsieur le Gouverneur de Provence, tous les membres du comité provincial de sécurité ici présents, tous les députés provinciaux, la MONUSCO à travers le représentant ou le chef du bureau local. Aussi, nous tenons à remercier toutes les couches vives de la population de la province du Nord Kivu pour le soutien et l'appui pour que cette opération soit aujourd'hui effective. Le moment n'est plus au discours, mais bientôt au réalisme. Ça fait cela quelques temps, Son Excellence Monsieur le Vice-Président de la CENI était de passage par ici. Il avait promis à la population de la province du Nord Kivu comme quoi, à la date du 15 décembre 2016, le lancement officiel de l'opération de l'enrôlement aura lieu. Voilà qu'avant même qu'on soit à cette date-là du 15 décembre 2016, aujourd'hui, nous sommes les 13, et voilà, tout est fin prêt, avec le concours de tous nos partenaires, en fait de lancer cette opération d'enrôlement et identification des électeurs sur toute l'étendue de notre province du Nord Kivu. On ne saura pas beaucoup parler, puisque le moment n'est plus au discours, mais néanmoins d'inviter tous les citoyens de la province du Nord Kivu à l'âge de voter, de pouvoir s'enrôler massivement. Nous sommes tous invités à sensibiliser tous les électeurs à l'âge de voter de pouvoir venir s'enrôler massivement. L'enrôlement n'est pas un problème de clivage politique. Que vous soyez de la majorité, que vous soyez de l'opposition politique, que vous soyez de la société civile, vous avez tous besoin d'être représentés ou de vous faire représenter. Et l'unique voie pour y parvenir, sûr et certain, vous aurez besoin des électeurs. Et pour avoir les électeurs, il faut penser à la première chose, c'est l'enrôlement. C'est ici et maintenant ou jamais. Donc, une fois de plus, nous allons inviter le premier citoyen de la province du Nord Kivu pour pouvoir passer devant nos machines afin de s'enrôler et de présenter sa carte d'enrôlement à toute la population, à toute sa population de la province du Nord Kivu. Mesdames et messieurs, je voudrais chacun à son nom commencer par vous saluer vous tous. Bonjour à tout le monde. Nous sommes une date particulière parce que le Nord Kivu va finalement vibrer au rythme du lancement de cette grande opération d'enrôlement des électeurs. En 2006, en 2005, il y avait cette opération par laquelle les Congolais, pour la première fois, y compris moi-même, nous avons voté. Et moi qui ai voté pour la première fois, je suis devenu gouverneur. Je sais qu'ils seront nombreux aussi aujourd'hui qui vont voter pour la première fois, je leur souhaite la même chance que la mienne. Ceux qui vont se faire, ceux qui vont s'enrôler,
et demain voter et se faire voter, il faudrait que demain ce soit eux qui passent ici devant et moi je serai en train d'applaudir là-bas. Donc cette opération est très capitale pour notre province parce que pour ceux qui ne le savent pas, le Nord Kivu, c'est la province la plus peuplée de la République démocratique du Congo après le démembrement. Après le démembrement, c'est la province la plus peuplée. Parce que Kinshasa, c'est une ville. Kinshasa a le statut de province. Donc, Kinshasa n'est pas par nature province. Kinshasa a le statut de province. Mais nous, nous sommes par nature province. Donc, après le démembrement, la province la plus peuplée de la République s'appelle le Nord Kivu. Et nous attendons aujourd'hui 4 millions de personnes que nous allons enrôler. Vous vous rendez compte? Nous allons avoir presque, pas presque, nous allons avoir 10 à 15% de l'électorat congolais. Ce qui vous démontre le poids que le Nord qui vous représente sur l'ensemble de la République. À nous seuls, nous allons peser les 10% de l'ensemble de l'électorat congolais. Ce poids-là s'appelle le Nord Kivu. Voilà pourquoi je suis venu ici, pour que, à partir de ce jour, il y ait une date mémorable qui va être dans les annales de l'histoire. Parce qu'elle l'est déjà, parce que c'est une date par laquelle un certain gouverneur est né. Et donc, c'est une date très très importante parce que vous et moi, nous allons défier ceux qui pensent qu'il n'y aura pas élection dans ce pays. Et vous vous rendrez compte que ceux qui vont se faire enrôler, si je ne me trompe pas, ce sont les jeunes gens à partir de 16 ans. À partir de 16 ans, parce que nous avons déjà eu un accord qui nous a projeté dans les délais que les élections auront lieu en avril 2018. Donc celui qui aura 18 ans en avril 2018 va se faire enrôler aujourd'hui. C'est-à-dire, tous les élèves qui sont en quatrième année secondaire, tous sont concernés par le présent enrôlement. Mais pourvu que vous ayez 16 ans. Donc vous comprenez que cette cohorte d'hommes et de femmes qui sont nés à partir de l'année 2000, à partir de 2000, vous descendez jusqu'à l'an zéro, si il existe. Tous ces gens-là, de 2000, vous reculez en bas, sont concernés par le présent enrôlement. Donc, je voudrais inviter la jeunesse, au lieu que les gens nous invitent à autre chose, je vous invite, moi, plutôt d'appuyer cette opération. Parce que c'est à travers elle que nous allons nous exprimer demain sur les gens que nous voulons qu'ils nous dirigent. Mais quant à aller dans notre démarche, ce sont des démarches qui vont nous retarder encore davantage pour ne pas aller aux élections telles que c'est prévu. Donc c'est une invitation que je lance à la jeunesse. Aujourd'hui que nous venons nous faire enrôler, y compris moi-même, pour dire les élections sont devant nous, que les gens cessent de nous distraire par les messages, autres que des messages qui nous amènent tout droit vers les élections. Et ça, c'est un message qui est adressé à la jeunesse. Faire autre chose, aller dans les rues, aller faire ceci, c'est nous laisser, nous qui sommes encore là, de rester encore pendant longtemps. Or, la plupart d'entre vous veulent aussi venir occuper nos places. Si vous voulez venir occuper nos places, alors emboîtons les pas à la CENI pour qu'on aille à l'enrôlement et demain aux élections. Sinon, si vous attendez ça, nous on est prêt à aller un peu plus loin. Qu'est-ce que vous voulez?
Vous voulez retarder pour que je sois encore jusqu'à 2020? Est-ce que moi je peux l'éviter? Même vous à ma place. Qui va le refuser? Personne. Même vous, si c'était vous qui parliez, vous n'alliez pas refuser. Alors, pour ne pas m'amener à aller en 2020, allons à l'enrôlement pour que celui qui veut prendre ma place vienne la prendre demain et je vais l'applaudir et lui serrer la main. C'est ça la démocratie. Donc, c'est une invitation solennelle à la jeunesse pour qu'on vous invite tous à l'enrôlement. La CENI, elle est indépendante. Moi, je suis seulement venu ici pour vous donner ce message-là, un message d'espoir pour dire que nous allons sécuriser le processus en tant que gouvernement. Nous remercions les Nations Unies, la MONUSCO, qui aide aussi dans le transport du matériel. Parce que vous savez, la République est trop vaste, on ne sait pas amener tout le matériel un peu partout. Nous lançons en même temps un appel aux groupes armés du Nord Kivu. Et à vous de leur parler. Si les gens continuent à semer le désordre à l'intérieur de notre province, eh bien, il y peut y avoir des territoires où on n'organisera pas les élections. Et donc, des territoires qui ne seront pas représentés ni par les députés nationaux, ni par les députés provinciaux, ni qui ne se prononcera pas sur leur président. Donc, voilà un autre message qu'on lance en direction des groupes armés pour dire. Eu vou fazer uma coisa. Na hiyo karte ndio natupatia ruhusa ya kuenda kwenye uchaguzi. Kwa hiyo hii uchaguzi na wahusu vijana na wasichana wote ambao wamezaliwa mwaka 2000 Avril 2000 kurudi nyuma. Yaani wote ambao wana miaka 16 ni wale ambao watafanya hii enrollment ili wawe na cheti chao ambacho kesho na kesho yake kitawaruhusu kesho kuchagua wanabunge wa jimbo, wanabunge wa Kinshasa na rais wao. Na itakuwa ni mara ya kwanza ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuona rais ambaye yuko hai kupeana na madaraka na rais mwingine mwenyewe atakugomboa. Na ni ile kitu ambayo sisi sote tunangojelea pande namna gani mara hiyo sisi wa Kongomani tutamwona presidenti wetu akipeana madaraka na mwingine ambaye yuko hai. Kwa sababu iwe Mobutu alifariki hakuona mwenyewe alimgomboa. Iwe Laurent Désiré Kabila alifariki hakuona mwenyewe amemgomboa. Sasa tuko na rendezvous avec l'histoire. Yaani kumuona rais mwenye yuko afanyisha uchaguzi alafu mkabidhi mkono kusema yeye bwana. Bienvenue Palais de la Nation d'Oi, Kouikale Pali. Na kusudi tufikie ile kiwango, hii hatua ndio ya kwanza. Ndio maana natoa mwito kwa vijana. Kuna watu ambao wanapendelea, tufanye hivi, tuchafue, tubomoe. Ile mwito ambao toko wanafanya, ni wale ambao wanaendelea kupinga uchaguzi, irudie nyuma zaidi. Tungelipendelea uchaguzi ifikie vile walivyoipanga, tukubali kuenda kwenye enrollment na tusubiri hiyo date ambayo imekubalika, alafu tuwachague viongozi wetu na tujue kama nchi ya kwetu ni nchi kubwa, nchi nzuri ambayo tunapaswa kuitegemea na kuikamata kama yai, kwa sababu sisi watoto wa Nord Kivu tunajua vita na makonsekansi zake. Denye haba ya wanaka vita, ndo waneza wakabakapenda vita ikuwe mwinchi. Meshie, tushaka wana wadeplase, tushaka wana bakukatiwa mabicho na mipanga, tushaka wana tout sorte de violence. Na pour le Nord Kivu, nous sommes contre toute forme de violence parce que nous en avons déjà connu suffisamment.
que d'autres qui pensent que les violences sont une bonne chose, tu vas lui réclamer, mais pas la chier qu'on autre qui. Voilà, c'est en ces termes que, en vertu des pouvoirs me conférés par la loi, je voudrais officiellement lancer cette opération en promettant toute la sécurisation du processus et de tous les personnels, bien évidemment avec l'accompagnement de la MONUSCO qui viendra en appui à notre police, à nos forces armées pour que les opérations se déroulent dans le calme. Bonne chance à vous les jeunes gens pour vous rejoindre là où nous sommes.